On est là à la fois pour apporter notre soutien aux victimes de Depardieu et pour rappeler que Depardieu n'est pas la seule personne en fait qui commet des violences en France et que les violences sexuelles sont massives. On estime qu'en France, une femme sur deux a subi du harcèlement sexuel, une agression sexuelle ou un viol. Donc c'est massif ce type de comportement. Lorsque c'est un homme célèbre qui est mis en cause pour des faits de violences sexuelles, on voit tous les mécanismes des violences qui sont augmentés. L'isolement des victimes est plus fort parce que c'est plus difficile de se faire entendre. La banalisation des violences est beaucoup plus importante. On a quand même un président de la République qui a tenu des propos qui ont de fait banalisé les violences sexuelles commises par Gérard Depardieu.